La liberté essentielle est la liberté d'être. Être ou ne pas être, telle est la question. Je suis désolée, mais là, ça devient beaucoup trop compliqué pour moi. Alors, si on ne comprend pas ce qu'est la liberté, comment la respecter? 1, 7, 8, 9, 1789. Le 26 août 1789, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Voilà. C'est plutôt simple, non? Non, pas si simple. Je suis née en Palestine, là où la guerre règne. J'ai le droit d'avoir le cœur qui saigne. Je viens de mourir, mais personne ne le sait. Je ne m'appelle plus, parce que je suis un oubli. J'étais un petit garçon, surnommé Sofiane, qui vivait une vie d'enfant au nord, qui a dû fuir au sud. Puis un jour, un grand bruit, des cris. Quelle est sa liberté? La liberté de pleurer? D'être effrayé? La liberté de devoir s'échapper? À quelques kilomètres de là, un jour d'octobre. Hier, je faisais ce qui me plaisait. Aujourd'hui, je n'ai plus toute ma liberté. Demain, je ne sais même plus quel jour on est. 52 croix, 52 jours sans maman et papa. Quelle est sa liberté? La liberté de voir des horreurs? La liberté de ne plus rien voir, enfermé dans un tunnel? Quelle est sa liberté? Sa liberté essentielle. Essentielle. Les saints sont essentiels à la vie. Liberté de voir, liberté d'entendre, liberté de sentir. Cette odeur. Mais quelle est cette odeur? La poudre? La fumée? La mort? Alors, quel sens a ce mot, la liberté? Pour moi, ce serait de manger ce que je veux, de faire ce qui me plaît, vivre sans être jugé, de venir à l'école sans avoir la boule au ventre, sans avoir peur d'être harcelé. Et aussi, ce serait de m'habiller comme je veux. Je vous explique. Au lycée en septembre, il faisait chaud. J'ai voulu mettre un crop top. Ma mère m'a dit certainement pas. Tu t'habilleras comme tu voudras quand tu seras majeur. Voilà. Je ne peux pas m'habiller comme je veux. Vivement que j'ai 18 ans, que je sois enfin libre. J'arrive au lycée et là je vois Inès qui ne peut pas rentrer. Sa robe est une abaya. C'est contraire aux lois de la République. Abaya, islam, pour elle c'est juste une robe. Culturelle? Non, pour elle c'est culturel. Elle est à l'aise et trouve ça beau. Elle a envie d'hurler. J'ai envie d'hurler aussi. Non, je ne vais pas hurler. Car pour se faire entendre, ça ne sert à rien d'hurler. Être éloquent, c'est parler distinctement en étant convaincant. Donc, my body, my choice. La laïcité, ce n'est pas une liste d'interdictions. La laïcité permet de tous vivre ensemble dans le respect. Le respect, ce serait peut-être ça ma liberté essentielle, être respecté. Nelson Mandela a défendu ses idées pour la liberté. Il voulait que l'Afrique soit un continent libre. Libre d'avoir les mêmes droits que tout le monde. Libre de ne pas être traité comme des meubles. La parole ne devrait pas avoir de couleur comme un ancien code. Dans notre classe, un élève, prisonnier de son corps, des années de souffrance, le regard des autres. Puis un jour, quelqu'un a respecté son choix. Il a pu être libre de renoncer à cette identité qui l'empêchait de vivre. Puis elle est devenue il. Alors, quelles sont mes libertés essentielles? Liberté. Si vous faites ça, je ne peux plus parler. Mais je ne peux plus respirer non plus. Ne me privez pas de ma liberté, de mes libertés, de nos libertés. Oui, nos libertés, car pensons à tous les peuples, à notre planète et à nos futures générations. Il y a tellement de définitions. Alors, quelle est ma définition? Choisir, c'est renoncer. Alors je ne choisirai pas. À l'image de cette dame à New York, c'est ma liberté de ne pas renoncer à la paix.